Salut, bonjour à tous. C'est le réveil sur Canal 3 Bénin. Un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous matinal. Bienvenue sur Actu Matin. C'est le jour J et on passe à une autre étape dans l'application de la réforme sur l'administration territoriale en République du Bénin. C'est bien dans l'après-midi de ce jeudi que les maires des 77 communes procéderont au tirage au sort de leur secrétaire exécutif. Le rendez-vous est au Palais des Congrès de Cotonou à partir de 16h et un invité de choix en vue du bon déroulement de l'opération, la Loterie nationale du Bénin. Elle est sollicitée pour son expertise, son matériel et le personnel qualifié assure donc les opérations. Un grand moment que vous vivrez avec nous sur Canal 3 Bénin. Sur Actu Matin, ce jeudi, cette question: où trouver des toilettes publiques dans nos villes? La question est souvent prise à la légère alors qu'elle concerne tout le monde. On interpelle ce matin, la loi sur l'hygiène publique en République du Bénin, dans cette disposition, partant justement des constats du moment. Des toilettes publiques, il n'en existe quasiment pas dans nos grandes villes. Il est pourtant du ressort des collectivités locales d'y veiller. Elles ont apparemment encore du mal à prendre le sujet au sérieux. Sur Actu Matin, on l'évoque. Que dit la loi et quel est le mécanisme à mettre en place? Des réponses au forum avec notre invité Clément Cotton, il est le directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Et puis dans la suite, un acteur politique député à l'Assemblée nationale en invité. On aura apprécié l'actualité avec Marcelin Ahonoukon. Les mesures du gouvernement pour assouplir les peines des citoyens face à la cherté des produits sur le marché. L'épineuse question de l'application de la décision une semaine après. On a d'ailleurs fait le constat à Nati Tengu et vous le verrez dans notre bulletin matinal avec William Cliquant. On évoquera également la désignation des SE et un regard sur le processus en cours dans le cadre de l'organisation des prochaines élections législatives. Restez avec nous, nous sommes jeudi. Quel temps il fait ou qu'il fera tout au long de cette journée? Météo Bénin nous en donne des nouvelles. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. Onesbet, les paris pour tous les goûts. Retour plateau après cette pause pub. On va vivre sur Actu Matin ce jeudi. Eh bien, les informations en images avec la rédaction de Canal 3 Bénin, dont voici les titres. Les commerçants de l'Atakora ne se conforment toujours pas au prix fixé par le gouvernement sur les produits de grande consommation. Le riz, l'huile et autres denrées alimentaires n'ont pas encore baissé de coût. À Nati Tengu, constat du directeur départemental du commerce et de l'industrie dans une
d'une visite inopinée. Et puis ici, dans les grandes villes au sud du Bénin, des usagers retournent aux anciennes pratiques sur les routes. Des motocyclistes ont repris la pratique d'emprunt de la chaussée destinée aux véhicules à quatre roues. Comportement qui viole la réglementation en vigueur, ayant d'ailleurs permis une réduction des accidents de circulation. On va suivre le constat dans le bulletin matinal de William Cliquant. William, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Merci d'être là. La transition, va retrouver Wahab Ali Kora pour l'avenir journaux. Dans sa livraison du jour, nous sommes avec vous Wahab, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Il y a beaucoup de choses dans les parutions de ce jeudi. Il y a eu, comme vous le savez, hier mercredi, Conseil des ministres et plus de grandes décisions ont été prises, des mesures normatives, des nominations et des communications également en termes de nomination, c'est-à-dire des mesures individuelles prises. Il y a eu la promotion d'officiers supérieurs qui ont été promus donc par le Conseil des ministres au niveau de la police républicaine, inspecteur général de police de deuxième classe pour compter du 1er mars 2022, le contrôleur général de police Soumaïla Alabi Yaya et puis au sein des forces armées béninoises sont promus au grade de général de brigade les officiers supérieurs dont les noms suivent, à savoir à l'armée de terre pour compter du 1er janvier 2022, colonel Frutier Candide Arodéniang Bagidi pour compter du 1er avril 2022, colonel Abou Issa et puis au niveau de l'armée de l'air, général de brigade aérienne pour compter du 1er janvier 2022, colonel Bertin Bada. À la une donc du quotidien Fraternité ce matin, prix d'achat du ciment en fonction des départements, l'équité mise à mal, les plus pauvres sont pénalisés, constate Fraternité. Tirage au sort ce jour des secrétaires exécutifs des 77 communes du Bénin, l'expertise de la Loterie nationale sollicitée. Tout va se dérouler au palais des congrès de Cotonou. Promotion et protection des droits humains, les portes de la Commission béninoise des droits de l'homme ouvertes aux populations dans le département du Borgo. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Pascal Zantou, désormais docteur en histoire contemporaine. À la une de l'autre quotidien, situation critique et récurrente de pénurie d'eau potable dans la zone d'Akpakpa, le gouvernement à la rescousse d'Akpakpa. Et puis conseil des ministres, le gouvernement promeut quatre généraux de l'armée et de la police républicaine. Lucas Atroco s'entretient avec le promoteur de l'initiative. L'initiative, c'est en effet la construction d'une usine de traitement de déchets solides. Quotidien L'Informateur. Campagne de commercialisation des noix de cajou 2021-2022 à partir du 1er avril. Les exigences sont à lire dans les colonnes du journal. Le prix plancher est de 350 francs CFA le kilogramme et le gouvernement va poursuivre le contrôle du respect des bonnes pratiques. Forces armées béninoises, talon nomme quatre nouveaux généraux. Et puis L'Informateur nous apprend qu'en termes de mécanisme d'élaboration et de suivi des tests au Bénin, désormais, les lois sont prises avec en même temps leur décret d'application. Le matinal, Conseil des ministres, profil des quatre nouveaux généraux promus, construction du nouveau palais impérial et de la reine de la Ghani. Le conseil communal de Niki donne son autorisation. La tribune de la capitale, forces armées béninoises, Soumaïla Alabi Yaya, promu général. Et puis édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme au Bénin, une fenêtre pour la campagne électorale, constate le journal de Porte-Nouveau. Quotidien Le Télégramme, Conseil des ministres du 30 mars 2022, quatre officiers supérieurs promus généraux et puis recrutement des agents techniques des mairies. Chaque maire procède au tirage au sort de son secrétaire exécutif ce jeudi. Encore une fois, les choses vont se dérouler au niveau du palais des congrès de Cotonou. Le quotidien de service public, La Nation, police républicaine et force de défense, qui sont les nouveaux généraux, s'interroge le journal. Information donc à découvrir dans les colonnes de La Nation. Problème d'eau potable à Akpakpa, une solution durable envisagée.
Décryptage info cette fois-ci. Première session ordinaire 2022 du Conseil national du crédit. Des résultats et progrès significatifs en 2021 au Bénin. Et puis, mesures fiscales, les petites entreprises invitées à la déclaration trimestrielle d'impôts. Le challenge pour finir très rapidement, Christian Dandéjan, audience au cabinet du maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo, sollicité pour l'installation d'une usine de recyclage des déchets à Cotonou. Et puis distinction dans l'armée béninoise, trois cadres de l'armée élevés au grade de généraux. Futur Baguidi, une compétence rare, récompensée, constate le challenge. Voilà Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui titre. Prix d'achat du ciment en fonction des départements. L'équité est mise à mal et ce sont les plus pauvres qui sont pénalisés. Voilà, une nation des contribuables égaux, écrit ce matin le quotidien de Ménotin, qui pense qu'avec cette disparité des prix du ciment selon les départements, il y a donc une injustice qui ne dit pas son nom et qu'il est clair qu'avec un peu de volonté politique et de négociation avec les sociétés qui fabriquent le ciment, et donc les cimenteries, il n'est pas impossible d'aller à une certaine harmonisation du prix du ciment sur l'ensemble du territoire national. Article à découvrir en page 3 du quotidien Fraternité. En fin d'édition, on va y revenir avec Narcisse Alosset puisque nous sommes jeudi dans la revue de presse. Restez avec nous tout de suite. Le bulletin matinal Wahama Lipara. Merci beaucoup. Merci Christian. Merci. À tout de suite. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui réponde à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Gonry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. On continue de parler de la hausse des prix des produits sur le marché face à cette hausse vertigineuse des prix. Eh bien, le gouvernement a pris la semaine dernière des mesures pour soulager les peines des populations et pour constater l'application de ces mesures. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce du département de l'Atakora a effectué une descente inopinée sur le terrain. Rufet Sarin, accompagné de ses collaborateurs, a sillonné des boutiques, des dépôts de ciment et le marché central de Natitengu pour un constat. Abdou Sabi Idrissou à la Sala Roulan. Au marché central de Natitengu ce lundi après-midi, le directeur départemental de l'industrie et du commerce Atakora Donga, en effectuant cette descente inopinée sur ce lieu d'échange commercial, Rufin Sarre et ses collaborateurs veulent constater de bisu l'application ou non des mesures prises par le gouvernement pour soulager les consommateurs. Une fois sur le marché, le constat est tout autre. Le prix du sac de riz de 50 kg varie entre 22 et 23 000 et le bidon d'huile végétale de 25 litres s'achète à 28 000 francs au mépris des prix fixés par l'État central. Le riz de 50 kg, il y en a pour 20 000, il y en a pour 21, il y en a pour 22, il y en a pour 23, ça dépend des qualités. Même depuis toujours, c'est comme ça le riz. Ça dépend de ce que la personne veut acheter. Le riz, c'est comme ça. Donc, actuellement, ici, il y a 22, 21 et 20. Et le bidon d'huile actuellement, ici, c'est à 28 000. Vos prix pour ce type de riz commencent à partir de 19 000. Vous n'êtes pas encore en règle. Donc, vous devez baisser très rapidement les prix pour commencer par les vendre dorénavant, à partir de maintenant. À partir de maintenant où nous vous parlons, à 18 450 francs. Pour permettre à tout le monde de pouvoir acheter facilement le riz. Bon, moi je voulais dire, ce problème n'est pas assez à notre niveau. Les raisons de cette spéculation qui s'observe sur le marché varient d'un revendeur à un autre. Il y a un problème que vous n'avez pas évoqué, moi je vais poser des questions sur ça. Ben, je voulais venir même vous voir à propos de notre marché de Kassoua. Parce qu'on nous dit, les choses sont rentrées chez nous, on achète, on nous dit de dédouaner. Par exemple, avant-hier, j'ai fait un dédouanement là. Quand j'ai calculé,
Par exemple, mon bénéfice est tout le bénéfice bagagé à 83 500. Mais dédouanement sur la voie, les dépenses que j'ai faites, le tout faisait 97 500. Actuellement, dans les anciens stocks qui restent. Mais si la, jusqu'à la semaine, si c'est fini, si on commandait le prix, c'est abaissé là-bas. Nous aussi, on va abaisser ici. Ça dépend de comment on a pris là-bas. Si on paye cher, on va venir moins cher. Toutes ces raisons évoquées par les commerçants sont balayées du revers de la main par l'autorité départementale. Achats du commerce dans l'Atakura qui tient au respect strict des prix fixés par le gouvernement. Les femmes, tout à l'heure, lorsque nous étions au niveau de leur étalage, ont expliqué pour celles qui ont maintenu les prix encore majorés de 1000 francs environ, justifie cet état de choses par le fait que la douane, les frais de dédouanement sont encore élevés. Je pense que ce n'est pas une vraie raison. Les services douaniers au niveau des frontières sont instruits pour respecter la nouvelle tarification, la nouvelle grille pour ce qui concerne le paiement des frais de douane, ce qui se répercute forcément sur les prix qu'on doit pratiquer au consommateur final. Je pense que c'est du laxisme. Après le marché central et quelques boutiques de vente de divers, cap sur les différents points de vente de ciment de la ville. Porte hermétiquement fermée, gérant introuvable, c'est le constat fait dans la plupart des dépôts de vente sillonnés dans la ville. Mais dans ce dépôt de vente de ciment, sur instruction du directeur départemental d'industrie et du commerce, le gérant a été sommé d'ouvrir les portes. Bien que le produit soit disponible, impossible d'avoir une idée du coût de la tonne et le facturier introuvable. Face à cette situation, le dépôt a été mis sous scellé conformément à la réglementation en vigueur. Nous venons de parcourir déjà 5 dépôts et nous les avons trouvés tous fermés. C'est ici que nous avons trouvé une dame qui était à côté donc du dépôt. Nous lui avons demandé d'ouvrir. Et quand elle a ouvert, nous avons trouvé, selon sa déclaration, nous avons vérifié à peu près 40 tonnes de ciment sont stockées là. Nous avons demandé le facturier pour voir le prix auquel le ciment a été acheté et la date à laquelle le produit a été acquis pour savoir si c'est avant les mesures ou après les mesures. Nous n'avons pas pu entrer en possession de factures d'achat. Et puis, nulle part, ce n'est indiqué le prix de vente. Donc, voilà autant d'irrégularités que nous avons remarquées. Donc, sur la base de ces irrégularités que nous avons observées, nous avons scellé le magasin et les produits sont ainsi saisis et seront vendus au prix de 85 000 francs la tonne à la population. Loin de baisser la garde, le directeur à charge du commerce au plan départemental entend poursuivre ses opérations de contrôle jusqu'au respect strict des recommandations du gouvernement. Et voilà le constat de terrain. Nous étions donc à Natitengu, à Khabalik Paraomou, sur cette observation de notre équipe régionale. Oui, on a constaté que Alassane Haruna de notre antenne régionale à Takora donc a fait un travail avec le DIEDIC, le directeur départemental de l'industrie et du commerce des départements du Nord, des départements de la Takora et de la Donga. Le constat, c'est ce qu'on attend, c'est-à-dire le contrôle sur nos marchés, puisque le gouvernement a décidé de soulager les populations. Il faut de temps en temps descendre sur le terrain et s'assurer que les populations, les commerçants respectent vraiment ce qui est proposé par le gouvernement. Mais avec les images et les sons qu'on nous a proposés tout à l'heure, on a constaté que le gouvernement n'est pas encore écouté. Ce n'est pas encore vraiment le bout du tunnel. Les commerçantes ne respectent pas le prix fixé et avancent leurs arguments. C'est-à-dire qu'au niveau des douanes et autres, c'est, en fait, les
consignes du gouvernement ne sont pas respectées. Il y a donc un véritable problème d'équité qui se pose. Il y a un véritable problème, je dirais, de responsabilité qui se pose. Il va falloir que si le contrôle se fait aussi bien au niveau des commerçants, que ce contrôle soit fait au niveau des ouvriers de l'État chargés de la mise en œuvre. Parce que quand on dit qu'il faut soulager les populations, réduire les coûts au niveau des corridors et que ce n'est pas respecté, ça pose un véritable problème. Je vais vous décrire une situation très, très rapidement, c'est-à-dire un peu comme dans la zone de Natitengu, où on a découvert dans une cimenterie un stock d'au moins 40 tonnes de ciment. C'est que vous allez dans des cimenteries parce qu'on ne veut pas respecter les prix fixés par département, par l'État, il crée la pénurie. Oui. Le monsieur, il reçoit du ciment, il vous dit que bon, il n'y a pas de ciment, mais qu'il a un frère ou un ami qui a acheté du ciment, mais qui n'est pas prêt tout de suite pour construire. Mm. Si vous êtes dans le besoin, il peut vous mettre en contact. Ce qui sous-entend que ça devient un chemin informel, et par conséquent, le coût est revu à la hausse. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les populations ne sont pas soulagées telles que le souhaite le gouvernement. William Cliquant, vous pensez que le gouvernement a du pain sur la planche face donc à l'application stricte de cette mesure? Absolument, parce que on a trois grandes étapes. L'étape du porte-parole du gouvernement qui nous dit qu'il y aura des descentes. Il y a une autre étape, celle que nous voyons, la descente. Mais il y a celle du milieu que je pense qu'on a sauté. C'est celle de comment on a demandé aux agents de l'État d'appliquer la mesure et comment on a permis aux commerçants aussi, qui ont déjà des stocks, à qui a des coûts donnés, de pouvoir le revoir. Parce que si sur les nouveaux stocks, les dispositions ont été prises il y a quelques jours déjà, mais si sur les nouveaux stocks, cette dame de Natitengu se plaint déjà des coûts de frais et de transport, comment dire des marchandises acquises au moment où la pénurie était et donc que les coûts étaient très élevés. On a raté cette partie. On ne nous a pas dit comment on a envoyé les 80 milliards dans le système. Qui est-ce qui l'ont pris? Est-ce que la dernière revendeuse dans la chaîne a eu une partie qui lui permet à elle maintenant de revoir ses coûts? Cette partie-là, on n'a pas assez communiqué là-dessus. Peut-être parce que nous, on n'a pas fouillé non plus. Si nous, on jouait notre rôle et qu'eux aussi, ils parlaient un peu plus, on serait... Alors, tout le monde est interpellé. Dans l'application de ces mesures. Il faut noter que le 113, c'est bien sûr le numéro vert mis à disposition pour désormais signaler les commerçants indélicats, les commerçants véreux dans la mise en œuvre de l'opération de maîtrise des coûts sur le marché. Retenez donc le numéro, c'est bien sûr le 113 pour dénoncer ces commerçants. Le gouvernement explique aussi le bien fondé du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants aux populations de Natitengu. Une séance d'information et de plaidoyer a été organisée pour la cause afin donc d'identifier ces espaces pastoraux, William. Les agriculteurs et éleveurs de la Takoura entrent donc en contact avec ce projet 3 mois seulement après son lancement. On va suivre le compte rendu de la séance d'information. Le gouvernement du président Talon opte pour une nouvelle pratique de l'élevage au Bénin. Voilà pourquoi il a initié le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procère. Un projet novateur dont les objectifs sont dévoilés aux acteurs de l'élevage et exploitants agricoles au cours de cette séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. La délimitation, mais aussi et surtout la sécurisation de ces espaces pastoraux permet d'éviter les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées lors de la transhumance. Il s'agit donc d'un défi majeur pour créer un climat propice aux activités économiques des populations agricoles, mais aussi et surtout pour inscrire les investissements à réaliser par le procès dans la durabilité. À travers ce projet dont la mise en œuvre a été actée le 23 décembre 2021, le gouvernement fait ainsi l'option de rompre avec la pratique ancienne de l'élevage en promouvant un modèle novateur de gestion des ressources pastorales. Cette solution trouvée par le gouvernement ne pourra être efficace ou efficiente si le gouvernement n'a pas l'adhésion
autour du projet des différents acteurs principaux. Je vais parler ou je vais nommer les éleveurs et les agriculteurs. Ce projet de standardisation est un projet développeur pour nos communes. Et c'est pourquoi nous acclamons et nous félicitons les acteurs pour leurs soucis à nous aider à régler tant nombre de problèmes que nous vivons. D'un coût global de 35 milliards de francs CFA, ce projet conjointement financé par l'État béninois et la BOAD couvre une période de 5 ans. Eh bien, on vous l'a annoncé en titre, sur les routes des villes du Bénin, il y a déjà quelques années que le gouvernement et les autorités ont décidé de ramener les engins à deux roues et trois roues à faible cylindre sur le trafic local, et ceci dans le souci de protéger les usagers en évitant les nombreux cas d'accidents observés par le passé. Cette mesure appliquée de force avec la collaboration de la police républicaine s'est révélée satisfaisante selon les sachants, mais de plus en plus les usagers retournent sur la chaussée avec tous les risques que cela comporte. Je vous propose de suivre un reportage d'Ulric Gaba et de Henri Ganti sur les conséquences d'une telle imprudence. Le respect du couloir de circulation est l'une des règles prioritaires du code de la route. Dans les grandes villes du Bénin comme Cotonou, les engins à deux et trois roues sont sommés de circuler sur le trafic local. Une disposition prise par le gouvernement pour réduire un tant soit peu les collisions entre les motos et les voitures et surtout les gros porteurs. Des accidents pour la plupart mortels. Dans un premier temps, il y avait une bande cyclable qui était à l'extrémité droite de la chaussée. Et c'était des lignes discontinues qui séparaient cette partie-là. Mais les véhicules à deux roues quittaient cette position et se mettaient carrément sur la chaussée, même à gauche, et se faufilant dans le véhicule avec les risques que cela comporte. Et en ce moment, il y avait journalièrement des accidents, pour ne pas dire plusieurs accidents en une seule journée, et souvent des accidents mortels. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'imposer ce couloir qui permet de sauvegarder les vies humaines. Cette mesure, bien qu'appliquée depuis près d'une dizaine d'années, continue d'enregistrer des cas de résistance dans le rang de certains motocyclistes indélicats. Ils ignorent volontairement les panneaux de signalisation et défient les véhicules à quatre roues et plus sur la chaussée. C'est seulement quand ils voient les agents de la police républicaine qu'ils détournent brusquement leur trajectoire. Les moins habiles subissent les conséquences de leur indiscipline. Ceux qui le font, c'est les deux roues qui quittent le trafic local que nous appelons actuellement chez nous piste cyclable, là, ils s'exposent dangereusement parce que les automobilistes ne s'attendent plus à les recevoir, à les voir dans ce... Sur ce tronçon. Et ils les surprennent. Et là, souvent, c'est des accidents mortels. Malgré la vigilance des policiers, beaucoup de motocyclistes peinent à s'inculquer l'autodiscipline. À peine ont-ils dépassé le poste de police qu'ils remontent sur la chaussée fiers d'avoir nargué les hommes en uniforme. Mais ils oublient que c'est leur vie qu'ils mettent en danger. Pire, les passagers remorqués sans casque sur la moto sont à la merci de tous les dangers qui peuvent en découler. Les usagers qui sont donc interpellés pour le respect du code de la route. C'est tout pour le bulletin matinal de ce jeudi, Christian. Nous vous disons bien merci. Merci William, très bonne journée. Oui. Allez, restez avec nous sur Actu Matin, la suite de ce programme matinal, la page écho, dans un instant avec Clément Atchadé. Et dans la suite également, vous aurez les sports. Après les sports, on va recevoir notre premier invité, le député Marcelin Aronoukoun avec nous. Il appréciera donc les mesures prises par le gouvernement pour contrer la hausse des prix sur le marché et surtout l'efficacité de l'application de la mesure sur le terrain. Restez avec nous. Yeah.
chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité. Pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccins contre la COVID-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au bulletin d'information de ce jour, les trésors royaux sont de retour. Décodeur a mis des 95 000. Et vous voyez des rois qui ont été Canal plus, Canal plus. Tout le temps, c'est ni. Il s'est là, il y a une. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule Évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 7057. Osez. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. Onesbet, les paris pour tous les goûts. Allez, c'est la page écho à partir de cet instant avec vous. Clément, allez, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Et on commence donc la page écho par ce jour. Ce jeudi, les marchés de Kolokonde s'animent, le marché de Kouande, Alidjo, Zé, Wando s'animent. À part ces marchés, il y a aussi les marchés de Semen, Ifani, Dogbo, Wenhi, Dassazoumé, dans le département des collines. Vendredi, les marchés de Dantokpa, Kérou, Natitengu, Gogounou, Malanville, Otola, Gouka, Vrankou, Boïkan, Azové, Sanima. Et samedi, les marchés de Paou, Serhoué, Grand Popo, Niki, Pédekpo, Doumé, Pira, Pema, Akasato, ici dans l'Atlantique aussi Sanima. Et le dimanche, la journée dominicale, les marchés de Chabikouma, Djougou, Banikouara, Savalou, et Djidja dans le zoo, Massi, Kovet, Setor, Sekou, Komé, Sanime. Et sans transition, voilà, voici pour vous, pardon, quelques tendances de prix. Le gouvernement a dit ce qu'il faut faire, mais sur le marché, malheureusement, les prix ne sont pas encore respectés. Regardez, à Wenhi, un peu comme à Wando, le gari est maintenu, je le précise, maintenu à 400 francs le kilogramme. Les poids d'Angole, 1000 francs le kilogramme, le maïs à 375 francs le kilogramme, alors que la pomme de terre est à 800 francs le kilogramme. À Dantokpa, vous pouvez aussi le voir, le maïs n'a pas
véritablement changé de prix. Le kilogramme est donc maintenu à 450 francs le kilogramme, alors que l'huile végétale, par exemple, qui a été spécifiée par la dernière décision du gouvernement et qui devait être, par exemple, vendue à environ 950 francs, est aussi maintenue, en tout cas, selon, je dirais, les informations que nous avons eues, à 1100 francs le litre, le gari à 275 francs le kilogramme, le sorgho qui est à 375 francs le kilogramme. Aniki, un peu comme à Permand, la cossette d'Iom est à 400 francs le kilogramme, les haricots varient entre 600 et 700 francs le kilogramme, les sorgho 425 francs le kilogramme, alors qu'à Savalou, Kové ou à Komé aussi, l'huile de palme, là on a eu une petite baisse. L'huile de palme précédemment à 200 francs le litre est revenu à 900 francs le litre. L'ananas est aussi maintenu à 190 francs le kilogramme, les tapioca à 550 francs le kilogramme, alors que l'yam jaune aussi a connu une légère hausse, avec je dirais une hausse de 100 francs et est passé donc à 600 francs le kilogramme. C'est tout. C'était tout. D'accord. Merci beaucoup, Clément. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, tout de suite, les sports. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin, de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'une heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00 229 56 98 10 82. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui réponde à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. Allez, Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian. C'est l'Esport sur Canal 3 Bénin Actu. Matin, on va commencer par la Ligue Pro au Bénin. Oui, la Ligue Pro suite, bien sûr. La quatrième journée donc, a été disputée hier sur les différentes installations du Bénin. Et donc, dans la zone AB, la zone septentrionale, Dynamo de Paracô était donc dans un derby face à Real Sport. Dynamo de Paracô s'est incliné à l'arrivée sur le score étriqué d'un but à zéro. Dynamique FC de Djougou, quant à lui, s'est imposé à son adversaire à domicile, bien sûr, sur le score étriqué également un but à zéro à l'arrivée. À Estakouné qui était en déplacement s'est imposé donc à Énergie, score à l'arrivée un but à zéro aussi. Et pour finir dans cette zone, c'est Damissa et Alstonet qui se sont séparés 2-2, score 0 but partout. Dans la zone CD, avant Comnisport et Azos, score de Viège et nul de 0 but partout entre ces deux formations. La jeunesse athlétique de Kétou s'est inclinée 1 but à 0 face aux Requins. Il faut croire que l'Assemblée Générale des Requins en est pour quelque chose, Christian. Depuis l'AG, les Requins ont enchaîné 2 victoires d'affilée. La S-Police s'est inclinée largement face à Sitatunga, 4 buts à 0. Et pour finir, ce sont les Dragons qui ont pris le dessus sur UPONM, score à l'arrivée, Christian, 3 buts à 1.
bien sûr, concernant cette information des Dragons de l'OMI qui sont imposés à à UPONM, l'entraîneur de UPONM, le coach, bien sûr, Achille Roger Emana, a donc déposé sa démission, Christian. Hier, vous voyez donc sur l'écran sa lettre de démission, ce qui a été déposé hier. Et si vous lisez, bien sûr, il dit il y a d'autres raisons que je ne saurais énumérer ici. Mes raisons sont loin d'être technico-tactiques, physiques et mentales, ni administratives et financières. Mais ces raisons et ces éléments sont purement d'ordre chrétien spirituel. Et voilà donc pourquoi. L'entraîneur a déposé le tablier, je l'ai eu au téléphone ce matin. Oui. Et certainement avec la rédaction sportive de Canal 3 Bénin, on y reviendra demain certainement avec les avis, l'avis pardon, de l'entraîneur qui a démissionné, Roger Achille Emana Christian. D'accord. La suite, c'est aujourd'hui, jeudi 31 mars, US Barboni dans la zone A et B sera l'adversaire de Rodio FC et puis Sobema Sport qui jouera donc pour finir l'association sportive du port autonome de Cotonou. Voilà pour ce qui concerne la Super League, la Ligue Pro Suite du Bénin. Christian, du basketball pour clôturer cette session d'information contenant bien sûr les différentes compétitions au Bénin. Dans la conférence sud, on a disputé donc hier la 7e journée des phases retour de la Ligue professionnelle de basketball. Eternel était donc face à Renaissance Basketball Club. À l'arrivée, ils se sont imposés sur le score de 54 à 45. Energy Basketball Club a pris le dessus sur AOL Basketball Club 73-71. Et pour finir, c'est la victoire de Elan sur Aspac 84-46. Elan qui conforte donc toujours sa place de leader dans cette zone cruciale. Mmh. Allez, on va poursuivre avec l'interview du jeudi. Aujourd'hui, on va parler du volleyball avec vous, Ali Moumouni, le champion du Bénin. Finance Football Club dans la discipline a remporté le troisième prix lors de la dernière Coupe des clubs champions qui s'est déroulée, et vous le précisez, c'est à Ouagadougou. Oui, conscient, et notre hôte de ce matin, c'est bien sûr l'entraîneur de cette équipe de Finance Volleyball Club, vous le disiez tout à l'heure, Adi Moukaïla, après avoir donc terminé vice-champion en 2019 lors de la dernière année, bien sûr, où cette compétition de la Coupe des champions de volleyball a été organisée de la zone 3 avant le phénomène de la COVID-19. Le champion de la Ligue professionnelle de volleyball du Bénin Finance Volleyball Club s'est une fois encore retrouvé sur le podium, mais cette fois-ci avec la médaille de bronze. Dans l'interview de jeudi, le coach Adi Moukaïla nous raconte ce qui s'est passé du côté de Ouagadougou, Burkina Faso, et de retour au pays depuis quelques jours. Il nous parle aussi du niveau actuel du travail de préparation pour les échéances à venir, donc principalement le championnat national. Je vous invite ici à suivre l'intégralité de notre entretien. C'est bien sûr une exclusivité sur Canal 3 Bénin. Bien, il faut déjà commencer par dire que c'est une satisfaction parce que notre équipe est très jeune. Déjà, prendre part à une telle compétition face à des joueurs expérimentés et finir troisième, on peut s'en contenter, c'est vrai. Même si, telle que la compétition s'est déroulée, on pouvait se retrouver bien en finale, pourquoi pas remporter, on s'en contente pour le moment. Déjà, pour la première journée, on a eu à croiser Asfa du Sénégal. Je pense que c'est l'Association sportive des forces armées du Sénégal, qui a une équipe très expérimentée, contre laquelle nous avons fait 3-7 à 1. Nous avons gagné 3-7 à 1. Le premier set s'est allé très vite, nous avons remporté. Mais par expérience, ils ont pu remporter le second set, avec un score fleuve d'ailleurs. Il a fallu se remobiliser, trouver les mots juste pour galvaniser les jeunes. Et on a pris les deux sets qui ont suivi. Raison pour laquelle nous avons remporté 3-1. Je pense que le second match, on l'a joué contre INJS, l'équipe championne de la Côte d'Ivoire, qui est une très bonne équipe d'ailleurs. Nous avons dû batailler très dur pour arriver au bout de cette équipe-là. Bizarrement, c'est une équipe qui est un peu plus forte que l'équipe de Asfa qu'on a rencontrée une journée avant. Mais heureusement, on a pu battre cette équipe-là 3-0. Vu sa performance, vu la façon de jouer des autres équipes, on s'est dit qu'il était possible de faire quelque chose. On a eu une journée de repos, on a bien travaillé pour affronter le match de la demi-finale contre AS Douane de Burkina Faso.
ils étaient chez eux. Le match ne s'est pas déroulé comme on voulait. Ils ont été au-dessus de nous, on n'a pas pu dérouler notre jeu. Ils nous ont gagné 3-0, un score fleuve. Il n'y a qu'à les féliciter parce qu'ils ont mérité leur victoire. Nous avons appris de nos erreurs et je pense que le jour suivant, on a joué le match de troisième place contre l'association Omnisport des armées de la Côte d'Ivoire, que nous avons pu battre 3-0, raison pour laquelle nous avons occupé la troisième place à l'issue de la compétition. Pas au cours de la compétition, je dirais plutôt à la demi-finale. À la demi-finale parce que on a commis une erreur, on a un peu sous-estimé le Burkina parce qu'ils n'ont pas développé lors de leur match préliminaire un jeu extraordinaire. Mais pendant le match, ils nous ont vraiment surpassés. Dans plusieurs domaines, nos réceptions ne marchaient pas bien, alors qu'au volleyball, quand vous n'avez pas le retour facile, c'est difficile de mener des combinaisons, de mettre les joueurs un contre un et de pouvoir aisément faire les points. Je pense que c'est principalement la raison pour laquelle ils nous ont dominés. Ils nous ont dominés 3-0. Bon, les gestionnaires sont déjà là. Je pense que déjà le 9 avril, samedi 9 avril, on doit être à Parakou pour la première journée de la Ligue professionnelle. L'année dernière, on a été champion et l'objectif, c'est de toujours garder le titre de champion. Ce n'est pas facile de jouer à Parakou, ils ont de très bons joueurs. Nous avons déjà commencé par travailler. Nous travaillons pour que, d'abord, ici, nous puissions confirmer parce que l'équipe de finances a été champion du Bénin 4 fois successivement. Je pense 2017, 2018, 2019. En 2020, à cause de la Covid, il n'y a pas eu compétition. En 2021, on a pu gagner la Ligue professionnelle, ça fait les 4 fois successivement. Donc, le plus important pour nous, d'abord, c'est de confirmer ici. Pour ce qui concerne les échéances internationales, il y a une compétition à la Coupe d'Afrique des clubs champions qui va se dérouler au Caire début mai. On va discuter avec les premières autorités. S'il y a faisabilité, on va y prendre part. Je ne peux pas finir cette opportunité que vous me donnez là sans féliciter les clubs béninois qui ont préparé la compétition et les premiers responsables de ces clubs-là. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé de participer à ce genre de compétition. Il faut les remercier pour ça. Je voudrais demander à travers votre canal à mes joueurs, les joueurs de Finance Volleyball Club, leur demander de redoubler d'efforts. Parce qu'ils ont de la valeur et ils ont pu prouver ça du côté du Burkina. Aujourd'hui, les gens ont du respect pour eux. Déjà en 2019, lors de la Coupe des clubs champions de la zone 3 qui a eu lieu ici, on a pu discuter la finale contre, Costom, l'équipe de S-Douane du Nigeria, qui nous a battu 3-2. Mais une équipe qu'on a déjà battue en match de poule également 3-2. Ça veut dire qu'ils ont de la valeur. C'est vrai, ils sont jeunes, ils ont de la valeur. Mais en travaillant plus, ils peuvent mieux faire. Et nous, nous sommes là pour les accompagner pour ça. Et je voudrais profiter pour demander aux autorités du ministère de nous accompagner, d'avoir confiance en nous et de participer avec nous à écrire l'histoire du volleyball béninois. Hadi Moukaïla, entraîneur, sinon coach de Finance Volleyball Club Christian, cette équipe qui est 4 fois champion du Bénin d'affilée, bien sûr, vice-champion en 2019 de la Coupe des clubs champions de volleyball de la zone 3 et cette année 3e. Donc, ils sont montés sur le podium une fois encore. Comme on le dit toujours, le Bénin se listre dans la sous-région et non et aussi sur le continent à travers plusieurs disciplines. Le Bénin se listre très bien, comme je le disais. Il serait donc très important de continuer le travail avec les talents parce qu'il n'en manque pas sur le territoire national. Voilà, et c'était l'interview du jeudi. Et c'était l'espoir avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup. C'est moi. Merci.
très bonne journée. Allez, en plateau ce matin, l'honorable député à l'Assemblée nationale, Marcelin Renoukou, bonjour. Bonjour. Merci de répondre présent à notre invitation. Avec vous, nous aurons une discussion tout à l'heure avec l'ensemble du plateau où il sera question donc de la cherté de la vie au Bénin avec les décisions prises par le gouvernement, l'application de ces décisions sur le terrain. Et juste après, on va parler d'hygiène et d'assainissement. Le Bénin, qui apparemment les villes, les communes du Bénin qui ne sont pas dotées de toilettes publiques. Clément Cotan, qui est directeur général de l'unité de protection de l'environnement, nous rappellera ce matin qu'il y a donc cette loi qui est votée par les députés à l'Assemblée nationale et qui s'occupe donc de cette question. On va y revenir tout à l'heure juste après le premier plateau de discussion. Clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité. Pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, le premier plateau de la discussion sur Actu Matin. Bienvenue, Hakimé Ousseli, bonjour. Bonjour, Christian. Herman Agnemoussou, bonjour. Voilà. Allez, en Conseil des ministres, le 23 mars, c'est-à-dire mercredi surpassé, le gouvernement a décidé des mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. C'est vrai que dans l'opinion, on a salué la mesure, mais son application sur le terrain depuis des jours pose problème. Des mesures qui viennent à point, selon vous, Marcelin Aronoukou, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Merci, monsieur Adalien. C'est venu à point et c'est salutaire. On ne demande pas mieux. L'État réagit promptement pour soulager la peine des populations face à cette cherté de la vie et qui est intervenu spontanément, sans... Personne ne s'attendait à cela, la manière surtout. Sinon, en matière économique, tout le monde sait qu'il y a toujours variance entre les prix. Une économie n'est jamais rectiligne, et ça évolue toujours, même les commerçants, ils savent. Il y a des moments où on fait de profit, il y a des moments où on perd. Et on fait des replâtrages, ils savent. Mais à la réaction du gouvernement, je crois que les commerçants doivent savoir qu'ils doivent rester un peu patriotes et accompagner la mesure. Puisque l'un dans l'autre, le gouvernement intervient pour les deux qui sont ensemble pour des transactions. Le commerçant n'existe pas sans l'acheteur. S'il n'y a pas le vendeur, il n'y a pas d'acheteur. Donc les deux doivent se compléter. Le gouvernement intervient pour réguler le marché intérieur. Parce que dans une nation, il y a une politique économique. À travers la politique économique, il y a la politique douanière. Et à travers ça, on essaie de limiter l'inflation.
Sinon, si l'inflation va galopante, c'est que tout bascule. Mm. Vous savez que même dans des nations, il suffit d'augmenter seulement un centime du prix du pain pour que le gouvernement s'en aille. Donc, c'est normal, le gouvernement a réagi promptement. Mais il reste que nous, la communauté, nous accompagnons. Parce que personne n'accepte de gaieté de cœur qu'une flambée de prix intervienne comme ça. Nous savons que ça a des causes. Nous savons qu'il y a eu Covid. Et quand une nation veut progresser en matière économique, il n'y a plus autre chose qu'une production. C'est la production qui puisse faire asseoir une base économique solide et durable. Vous savez que actuellement nous traversons une conjoncture internationale. Le Covid est passé partout. Donc on s'attendait déjà à ce que il y ait flambé de prix dans le monde entier. En tout cas, personne n'est à l'abri. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est conjoncturel. C'est une conjoncture internationale imposée par le Covid, qui est une crise sanitaire, qui a empêché les gens d'aller produire. On ne te permet pas d'aller au champ. Vous allez voir, le vin va flamber parce qu'il faut cultiver, il faut aller dans les vignes. Si vous ne cultivez pas, tout vient de la terre. Les industries ne vont pas trop travailler, ils vont manquer de matières premières. Même celui qui travaille l'or n'aura pas assez d'or cette année. Parce qu'il faut aller déterrer l'or quelque part. Il faut aller. Les gens se sont abstenus d'aller travailler. On les a mis, on les a confinés. On ne veut pas que vous dites restez là. Et vous ne produisez rien. Donc, les industries manquent de matières premières. Donc, face à tout ça, nous s'attendait à ça. Que bon, il y ait flambé de prix. Mais ce que j'ai déploré au Bénin, c'est que les commerçants n'ont pas voulu accompagner la chose et j'ai voulu réagir par rapport à ça. Justement, on l'a d'ailleurs présenté tout à l'heure dans notre bulletin matinal, hein, à la suite donc de cette descente du directeur départemental du commerce et de l'industrie de l'Atakora. On a constaté que la mesure du gouvernement n'est pas du tout respectée sur le marché, mais les commerçants ont donné les raisons pour lesquelles ces mesures. Voilà, vous les avez certainement suivies. J'ai suivi. Quelle est votre réaction face donc à ces propos tenus par ces commerçants? Prenons le cas ciment. Oui. Eux, ils ont acheté leur ciment où? Pour vendre plus cher que ce que exige l'État. Ils ont acheté où? On connaît les cimentiers, non? Déjà, le gouvernement, je crois que le gouvernement a un collectif de ministres, ils ont reçu, les journalistes, ils leur ont parlé. C'est quand ils vont vers les cimentiers, là où il y a la production, quand ça sort d'usine, ça a un coût. Ils ont acheté où? Là, non. Si j'achète là, on connaît leur marge bénéficiaire. Tout est indiqué. Le transport, le coût assurance fret. Quand on évalue tout ça, tu mets les dépenses, tout, le fonctionnement de ton unité. Et maintenant, ta marge bénéficiaire, on ne peut vendre au prix exigé. Mais ils disent non, qu'ils ont acheté, non. Ils n'ont pas acheté avant. C'est faux. Moi, je dis c'est faux. C'est des anciens stocks. Ils ont renchéri. C'est dommage. C'est pourquoi, vous voyez, au temps de Kérékou, on parlait des commerçants verrés. Il y avait une lutte contre les commerçants verrés ici. Il faut que nos commerçants soient un peu vertueux. Sinon, c'est dommage. Sinon, on intervient comme ça pour réguler la chose. Ils ont créé une pénurie artificielle en matière de ciment. C'est créé de manière artificielle. Sinon, si on doit augmenter, c'est déjà parti des producteurs de ciment. Ils vont dire non, les matières premières qui entrent en ligne ont été payées plus cher et nous sommes obligés. Ou bien l'impôt que nous payons nous dépasse et on est obligé d'augmenter. Il n'y a pas eu ça. Le gouvernement, avant même d'annoncer les mesures, avait pris la mesure de la situation et disent qu'il faudrait qu'on intervienne en matière budgétaire, pour jouer sur le transport, pour jouer sur d'autres frais connexes qui interviennent dans la chaîne de production. Et tout ça, là, ça a permis de garder les anciens prix. Et pourquoi ils ne veulent pas? Je sais, c'est normal.
ils veulent avoir toujours les mêmes stocks. Alors que quand ça intervient comme ça, non, vous allez recommencer. Un commerçant bien, il sait que s'il a l'habitude de prendre 100 tonnes, il ne pourra pas prendre 100 tonnes. Mais il faut expliquer qu'en matière de ciment, le problème n'existe pas. Peut-être en matière de production du riz, que le riz est importé. Le ciment n'est pas importé, c'est produit ici. Pour c'est produit localement. C'est localement produit. Donc, il n'y a pas de quoi. Donc, le ciment, ça doit résister. Sinon, ils sont véreux. Il faut le reconnaître. Ils ont acheté où? Sinon, au moment où ils achètent les grossistes, ils ne vont pas crier déjà. Ainsi, le petit détaillant doit commencer par se dire, attention, le stock qui arrive prochainement, ça va coûter plus cher. Mais il n'y a rien de tout ça. Là, ils ont créé leur pénurie artificielle. Sinon, on va ouvrir. Vous avez suivi avec votre équipe, je vous remercie même pour ça. Vous avez suivi le directeur départemental de l'Atakura en matière d'industrie et de commerce. Oui. On ouvre, on trouve 40 tonnes de ciment qui est stocké là, qu'on ne voudrait pas vendre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, donc on ne peut pas admettre ça dans une nation. Face à cette situation que vous décriez, honorable, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution vous préconisez? Merci. Merci. Moi, je dis, il faut la fermeté de l'État. L'État est l'arbitre dans ce domaine. L'État a sa politique économique, l'État a sa politique commerciale. Et personne ne peut déroger à la loi. L'État est chargé de garantir une concurrence loyale. On ne peut pas permettre à Jean de vendre à 1000 francs et à Paul de vendre à 2000 ou bien l'autre. Vous savez, permettez-moi, nous, Béninois, nous sommes spéculateurs, par excellence. C'est dommage. Le Béninois, vous allez, ce n'est pas pour rien, on ne met jamais les prix des denrées sur les étalages au marché. Pourquoi? Dans tous les pays, on met ça. Mais le Béninois, il vend la tête du client. Vous arrivez, on te regarde bien, on te donne le prix, on vend à 100 francs à celui d'argent. Si tu as garé une voiture, le coût est différent. Mais, à moto, c'est différent. Mais des fois, on envoie. À pied, c'est aussi différent. C'est des fois, il faut envoyer même les ouvriers, les artisans, aller te demander tel prix, s'ils veulent faire un travail pour toi. Mais si tu te prends toi-même, tu viens, on te revend. Non, si c'est 120, 300. On te vend jamais. Tu peux partir. Hein? Mmh. Et il va vendre moins cher à un autre. Pour lui, il veut son argent, il faut qu'il donne un peu. C'est bizarre. Alors, comment va se manifester cette fermeté du gouvernement quand on sait déjà que l'État a demandé au ministère du Commerce et bien d'autres ministères, hein, n'est-ce pas, le contrôle sur le terrain, le contrôle des Merci, prix monsieur, sur, monsieur sur le marché. L'État, le gouvernement fait déjà, a montré déjà son intention. Pas Nati Tengu. Je crois que il reste à nous. Il y a assez, vous les connaissez tous, les défenseurs de choses. Là, pourquoi ils sont restés tout subitement et inexistants, les défenseurs de les consommateurs, des consommateurs. Sinon, c'est le moment, puisque la voie est tracée, l'État réagit, ils doivent accompagner, mais on ne les voit plus. Je ne comprends pas. S'ils doivent réagir, sinon, la pertinence de la réaction de l'État est saluée. C'est bien. Il ne reste qu'à nous autres de faire notre propre autodéfense. On ne peut pas acheter ça. On ne vend pas ça, madame. On ne vend pas à ce prix. Sinon, c'est l'ancien stock. S'ils prétendent que non, c'est les stocks que nous avions acquis. Non, ils n'ont pas acquis ces stocks-là. C'est faux. Même en matière de riz, tout ce qui est arrivé. Le riz cher va arriver prochainement à cause de Covid. Les retombées de Covid, là, l'impact de Covid, c'est maintenant ça va commencer. C'est pourquoi les mesures du gouvernement arrivent au bon moment. Parce qu'en matière de dédouanement, on dit coût assurance fret. Déjà fret là, ils ont essayé d'amoindrir les fret pour que le riz rentré ne soit pas trop cher. Donc on ne me dira pas demain le riz est devenu trop cher, ceci. Donc on veille. Ils ont acheté leur riz là quand pour augmenter subitement. Non, c'est faux. Ils veulent gagner beaucoup plus. Tu sais, les commerçants béninois, ils veulent faire le maximum de profit. Donc, il faut les empêcher. Vous devez gagner votre marge.
Sinon, ça, les petits détails, les petits, les consommateurs sont pénalisés. Oui, oui, oui. Vous trouvez que les mesures du gouvernement sont justes et c'est bien, mais ce n'est pas sans incidence sur le budget national. Ça fait environ 80 milliards de francs CFA à injecter dans le système pour réguler le marché. Alors qu'avant, si le gouvernement avait maintenu et réformé les structures qui existaient, les boutiques témoins de l'ONASA par exemple et autres, est-ce que le gouvernement en arriverait aujourd'hui face à la cherté de la vie à injecter 80 milliards de francs CFA? C'est pas énorme? Merci. Ça veut dire que vous êtes de ceux qui pensent que l'ONASA, si elle était là, quoi. L'ONASA vend combien de produits? Au moins, ça permettait. Très peu de produits. L'ONASA vend dans combien de pays? Dans combien de. L'ONASA ne revient même pas 10% du marché national. L'État doit rester État contrôleur, assuré. Si l'État fait la même chose que les autres, il est chargé de contrôler. Non, laisser le. Comment appelle-t-on les privés faire le commerce. L'État ne peut pas faire le commerce. Défendons ça. L'État ne peut pas faire le commerce. Si l'État. Moi, je vends du riz. L'État aussi veut vendre du riz. Et ça marche. L'État socialiste, c'est terminé. Nous avons opté pour une économie libérale. Je crois que si on stocke le riz, et si on stocke le prix chute, vous croyez que l'État va perdre beaucoup plus? Moi, je me rappelle dans les années 70, un commerçant de Génon avait stocké beaucoup de maïs. Il croyait que le maïs allait, le prix allait être meilleur. Et il a acheté chez tous les producteurs et il a stocké. C'est tout à noirci. Et il a perdu beaucoup d'argent à l'époque-là. Parce que l'économie, c'est, il faut voir les aléas, les pluies, tout. Il y a des causes. Il y a beaucoup de. Comment appelle-t-on, d'informations à mettre pour gérer l'économie. C'est très, très délicat. Donc, si l'État se charge d'acheter tout, il n'arrive plus à vendre. L'État va perdre même plus de 80 milliards. Donc, si ce n'est que 80 milliards et qu'on relance une économie, l'État, c'est où là, il va récupérer. Ce qui est sûr en matière économique, le budget, c'est une prévision. D'accord. Alors, le gouvernement a annoncé des mesures, les contrôles sur le terrain, mais vous avez constaté avec nous que ce n'est pas suivi. Vous êtes élu du peuple parmi vos, je dirais, vos militants et autres. Il y a bien entendu des commerçants, des vendeurs, des vendeuses et autres. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire, n'est-ce pas, à l'effet de toucher, je dirais, la sensibilité de tous ceux-là, de manière à ce qu'ils se conforment aux décisions, aux prescriptions du gouvernement? Merci, M. Ali Para. Si moi je suis ici, c'est pour cause. Je veux inviter les Béninois à supporter, à accompagner les mesures prescrites par le gouvernement dans ce domaine. Et vous-même, je crois que c'est ce que vous allez faire parce que c'est juste. Si vous appréciez la justesse de ces mesures, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Attends, ils seront plus puissants que l'État. On a vu dans ce pays. Nous avons testé tout, hein. Le Bénin a testé tout. Ce qui se passe, je ne sais pas que cela s'est passé. Vous savez quand le maïs était devenu nivakine dans ce pays. Nous, on a traversé tout ça. Donc, les denrées se retrouvent au marché. Avant, il n'y en avait même pas parce qu'il n'y avait pas. La pluie a empêché, donc il n'y a pas la production. Aujourd'hui, il n'y a eu plus. Il n'y a pas guerre, donc on produit. On trouve tout au marché. Donc, il n'y a pas péril, hein. C'est peut-être que nous manquons d'argent. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, le niveau de vie. Le niveau de vie des Béninois s'est amélioré. Et là, vous achetez les choses que vous achetez moins cher, plus cher. Il y a ce problème économique. C'est peut-être que les économistes n'ont pas mieux expliqué encore que nous sachions. Le loyer va coûter plus cher. Quand on a dit le Bénin est devenu un pays à revenus intermédiaires, attendez voir tout ça. Mais c'est ça, parce que vous produisez, il y a eu des valeurs ajoutées, donc vous avez créé des choses, et le Bénin est devenu plus riche, mais seulement que les plus pauvres ne sentent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut une planification à un niveau pour permettre, c'est ce que l'État fait, ça veut dire qu'il faut assurer
là, toi, tu ne gagneras pas beaucoup pour affaiblir le pauvre paysan qui a besoin d'acheter du sucre, du lait. Tu ne vas pas lui vendre très pauvre. C'est pourquoi, bon, d'accord, je suis d'accord, j'adoucis les choses, j'allège les impôts, les frais, et ainsi de suite. Donc, je crois que nous avons besoin d'accompagner pour que ça marche, monsieur Ali. Voilà. Oui, sinon... oui, on vous écoute, Akimé. Non, je crois que la question est d'autant plus préoccupante que en début de semaine, on l'a évoqué. C'est vrai que l'État a pris des dispositions, bien énumérées à travers l'avant-dernier, c'est ça, hein, Conseil des ministres, et que dans la foulée, eh bien, on faisait injonction aux commerçants de respecter, je dirais, un seuil de vente des prix de grande consommation. Et certains produits ont été identifiés en tant que tels, le riz, l'huile de palme importée ou même produit sur place et consort, la farine de blé, tout ce qu'il y a autour, mais seulement que sur le terrain, je crois que c'était bien notre inquiétude, c'est comment est-ce qu'on allait ressentir l'impact, c'est la mise en œuvre de cette décision gouvernementale. Malheureusement, sur le terrain, et je crains d'ailleurs que cette décision ne soit du tout pas efficace et qu'elle ne soit du tout pas respectée, parce qu'il vous suffit simplement de jeter un coup d'œil sur le reportage proposé par le bureau régional Takoradonga du Canada 3 Bénin, que vous constaterez que même le directeur départemental n'est pas arrivé à faire entendre raison à la dame avec laquelle il a eu des échanges. Cette dame, elle rouvre encore aujourd'hui à Natitengo. Je ne crois pas qu'elle baissera le prix des produits, parce qu'elle a dit que c'est l'ancien stock, et c'est d'ailleurs l'argument le plus facile qui est souvent avancé par les commerçants, que c'est l'ancien stock. Et que quand il arrivera à sa prochaine descente pour achat, elle constatera que le prix a baissé, qu'elle baissera également au marché. Ça veut dire qu'aussi longtemps que cette dame n'a pas encore fini de couler ce qu'elle a appelé ancien stock, eh bien, on a beau placarder et crier partout que désormais le riz est à 12 000 ou à 10 000 qu'on soit, eh bien, cette dame ne bougera pas d'un seul iota. L'État en question, représenté en ce moment par le directeur départemental, n'a pu rien faire. Si l'État n'a pu rien faire, Christian, ça n'est pas moi, ça n'est pas ma maman de Santa qui ira au marché et faire entendre raison à cette dame quand elle viendra faire son achat d'un ou de 2 kilos de riz ou encore d'un litre d'huile l'huile d'arachide. Ça, il n'y a rien à faire. La seule chose que le directeur a réussi à faire, c'est peut-être mettre sous scellé le dépôt de ciment, parce que ça, c'est encore plus facile à faire. Mais ce n'est pas que le ciment. Ce qui est plus important, surtout moi qui parle en tant qu'un des consommateurs, un grand consommateur à l'approche du mois de Ramadan, je me dis que j'aurais utilisé ce genre de riz pendant les un mois qui débuteront bientôt. Et que j'utiliserai de l'huile et consomme. Mais les prix là ne baisseront pas. Qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que quand l'État est allé à travers le directeur départemental et descendre sur le terrain, est-ce qu'il a été prévu que lorsque ce n'est pas vendu à ce prix-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on somme la dame de vendre au prix officiellement reconnu? À travers quel mécanisme? Est-ce qu'on ferme? On ne ferme pas. Est-ce qu'on l'oblige à vendre ça à ce prix? Rien. Et ce n'est qu'un échantillon parmi plusieurs autres échantillons. Moi, j'ai la chance d'échanger avec plusieurs autres consommateurs comme moi, puisque nous sommes tous des consommateurs. Et j'avoue que je n'ai pas senti depuis environ une semaine que les commerçants ont commencé par respecter les prix imposés par le pouvoir en place. Donc c'est à ce niveau que se pose le véritable problème. Moi, je crains et j'ai peur que ce soit juste une annonce et que les commerçants ne bougent pas. Est-ce qu'il est dit, par exemple, comme j'aime souvent l'entendre dire, remonter le conflit? Comment est-ce qu'on remonte le conflit? Est-ce que le 113. Attendez, le 113. Le directeur départemental à Takoradonga est plus que le 116 dont vous parlez. Parce qu'il est physiquement là. Ce n'est pas le coup de fil que je donnerai au 113 qui fera fléchir la dame. Je la signale comment? Elle s'appelle Tantampion. Elle a envie de me vendre le produit à 150 alors que c'est prévu pour être vendu à 150. Je crois que la grosse question, c'est à ce niveau. On dit que les décisions qui ont été prises durent jusqu'en juin 2022. C'est environ 2 mois. C'est-à-dire que si rien n'est fait, on verra passer les 2 mois. Et puis 2 mois après, bien l'inflation est encore de retour. Oui. C'est à ce niveau qu'il y a la vraie question. Je ne sais pas si l'honorable, en tant que représentant du peuple, ils ont eu la chance d'échanger avec le pouvoir en place pour savoir quel va être le rôle. Parce qu'ailleurs, peut-être qu'il y avait des dispositions plus importantes. Peut-être qu'on leur a demandé, chacun qui se trouve, de descendre dans leur circonscription électorale respective. Et peut-être, je dirais, de faire passer, je ne sais pas, je dis les choses pas de façon très juste comme ça, mais pour le moment,
je pense qu'il n'y a pas encore l'élément efficace qui amène les commerçants véritablement chrétiens à rester activés. Oui, le gouvernement a pris des mesures, une série de mesures face à la flambée des prix. Vous avez constaté comme moi que l'État se révèle impuissant face à l'application de ces mesures-là. Mais comme l'a dit l'honorable, l'État est là pour réguler. C'est vrai que nous avons fait l'option du libéralisme économique. Libéralisme économique qui a ses règles aussi. Et la question, c'est de savoir si le Bénin a bien fait de faire cette option-là sans connaître vraiment les détours du libéralisme économique. Parce que quand vous dites que l'économie est libérale, ça veut dire que vous demandez à l'État de rester un peu à l'écart et de n'être là que pour réguler un peu les choses. Ce qui se passe sur le marché, les femmes disent que c'est l'ancien stock qu'elles ont à disposition, qu'elles doivent d'abord écouler avant d'entrer en règle pour simplifier un peu les choses. Qu'est-ce que l'État peut faire? Il y a le 113 qui a été mis en place, qui est la ligne verte pour dénoncer. Mais il faut aller au-delà de ces mesures. Je ne sais pas si... Et on a posé le problème ici en début de semaine quand on élaborait sur le sujet. C'était de savoir ceux qui ont des stocks en choses là, qu'est-ce qu'ils font de leur stock? Est-ce qu'ils vont alors se dire, j'ai plus le stock, mettons, à 12 000 francs, puisque l'État dit que c'est à 8 000 francs, je ramène ça à 8 000. Non, ça va forcément créer des pertes. Ça va forcément créer des pertes. Je ne sais pas si l'État a une formule magique, mais j'attends forcément à ce que ça s'applique pour que l'inflation ne puisse pas créer d'autres situations. Oui, Waham. Non, moi je pense qu'au-delà des problèmes qui existaient et que l'État central a décidé d'apporter des solutions, il y en a qui, peut-être dans l'ombre, travaillent à assombrir les différents efforts du gouvernement. C'est que quand on prend juste l'élément témoin de Nati Tengu qui est passé, la même dame à qui me faisait la description tout à l'heure disait que le gouvernement, mercredi surpassé, comme on dit, a pris des mesures pour que les corridors, les frettes soient revus à la baisse. Mais pour ce qu'elle allait acheter après la prise de la décision, n'est-ce pas, rien n'a baissé. Elle devrait annoncer les chiffres en face du directeur départemental de l'industrie. Voilà, vous voyez. Donc, rien n'a baissé. Ça veut dire qu'il y a des ouvriers de l'État central qui doivent travailler à la mise en application des mesures, mais ils ne le font pas. Ça nous met en difficulté. Ça veut dire que l'honorable est là, les maires sont là, les dédiques sont là, ils font leur travail. Mais il y en a qui sont dans l'ombre, chargés de l'application des mesures et ne le font pas. Le Béninois, n'est-ce pas, n'a pas encore atteint ce degré de patriotisme qui fait que, oui, il dira son ancien stock est là, le coût est élevé à l'achat en son temps. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de faire baisser les prix. Est-ce qu'elle sacrifie, n'est-ce pas, son gagne-pain avec l'ancien stock, encore que le stock qu'elle s'en va, avec l'approvisionnement qu'elle s'en va faire nouvellement est encore au prix initial. Il y a un véritable problème. D'accord, la question de Hakimé par rapport à ce que fait le parlementaire dans cette situation. Vous êtes là pour contrôler l'action du gouvernement. Jusque-là, quel est le rôle que vous jouez dans cette cherté de la vie et dans les propositions faites par le gouvernement pour, je dirais, amoindrir les chocs? Merci. Après réflexion, nous devons nous imposer une conduite. C'est maintenant qu'il s'agit d'être aujourd'hui plus que jamais proche des couches les plus défavorisées pour une veille citoyenne. Pour ce qui nous concerne, nos députés, nous pouvons, si on a peur de descendre, d'appuyer, ne construisons pas de brigade, mais nous pouvons travailler avec nos populations. Nous pouvons les raisonner, nous pouvons les faire entendre. Ils doivent être un peu plus patriotes. On pouvait leur dire, tu as eu le stock là quand? On peut aider parce que les agents du ministère sont très peu nombreux. Donc ils n'arrivent pas à couvrir tout le territoire. Mais nous, en tant que proches des couches défavorisées, nous pouvons intervenir et dire non, ce n'est pas bon ce que vous faites. On peut vendre à tel vous prix. Vous commencez ce travail quand, honorable? Non, c'est déjà commencé pour ne pas vous... Nous avons évoqué le problème entre nous déjà, que comment ça se passe. Quand ça coûte trop cher, nous-mêmes, on sent cela. On n'est pas tranquille. Les gens nous harcèlent. Donc, il faudra intervenir pour dire non, il est en train de vous
grugé, non. C'est un seul commerçant véreux, on ne lui permettra pas. Si dans chaque localité, on arrive à faire raisonner, ce n'est pas d'une manière brutale, ce n'est pas d'une manière cavalière ni policière, mais on peut faire quelque chose pour accompagner les mesures. Nous devons avoir conscience qu'il s'agira de sauver le Bénin d'une inflation. Nous demandons par la suite aux commerçants d'être un peu plus patriotes et d'aider la nation, d'aider le pays. Ce n'est pas en vendant trop cher. Ils ne peuvent pas avoir tout l'argent dont ils ont besoin en vendant quelques 10 tonnes, 100 tonnes de riz et gagner toute leur fortune. Non, ils doivent avoir en face d'eux une population qu'il faut nourrir tous les jours et pour longtemps. Donc on doit pouvoir leur dire. D'accord. Et maintenant, à l'État d'être plus ferme. Parce qu'il ne s'agira pas de reculer. Si on recule, c'est que c'est foutu. Les gens vont vendre au prix voulu et ça irait à polo. L'État aurait échoué. L'État aurait échoué, c'est catastrophique et chaotique. De toute façon, moi, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais j'ai l'impression que sur cette action spécifique de la cherté des produits de grande consommation, que l'État semble-t-il en train d'échouer, surtout par la poursuivi. Franchement, parce que, comme je vous l'ai dit, le délai imparti, il est bien court. Oui, les commerçants, franchement, j'avoue que. Les défenseurs des droits des consommateurs, ils sont où aujourd'hui? C'est dommage qu'on ne les trouve plus. Ils sont là. Ils travaillent, en tout cas. Ils opèrent. Ils font partie de ceux-là qui. Manifester aux côtés des syndicalistes pour amener l'État quand même à prendre des décisions. Merci à vous, merci beaucoup à vous Marcelin Renoucon, vous êtes député membre de l'Union progressiste à l'Assemblée nationale. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est maintenant, on va parler environnement puisque les députés ont voté cette loi sur l'hygiène publique en République du Bénin. Et dans cette disposition, il y a donc ce constat, l'inexistence des toilettes publiques par exemple dans les grandes villes du pays, avec notre expert en environnement Clément Cotton, directeur général de l'unité de protection de l'environnement. On reviendra donc sur l'une de ces dispositions. L'unité d'information de ce jour, les trésors royaux sont de retour. Décodeur est mis derrière 95 000. Hein? Ouais, derrière quoi, Tchakiloko? Canal plus, canal plus. Où t'en s'est mis? Il s'est là, il y a une. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule Évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 7055. Et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin, de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'une heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00 229 56 98 10 82. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui réponde à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. La rubrique environnement de ce jeudi sur Actu 21 pose la problématique de l'inexistence des toilettes publiques dans les grandes villes du Bénin. On fait référence donc à cette loi sur l'hygiène publique en République du Bénin qui l'impose désormais dans cette disposition. On va faire un tour avec la régie pour suivre cet élément. Et juste après, nous aurons nos échanges avec un expert en environnement, Clément Cotton. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Bonjour à vous, Simon. Bonjour. Merci. Christian. Vous avez réalisé donc ce reportage enquête sur le constat. On va rapidement à la réalisation avec Christelle Polécon ce matin pour vivre un peu l'envers du décor à Cotonou. À l'instar de la plupart des métropoles béninoises, Cotonou et Abomey-Calavi ne disposent pas d'infrastructures. Douche, cabinet des hommes, urinoir. Un constat clair au moment où le gouvernement vient de promulguer le code portant hygiène publique le 16 février 2022. Il est vrai que l'envie d'uriner ne prévient pas, mais ce n'est pas une raison pour le faire sur les places publiques. C'est une bonne chose. Parce qu'il faut que nous apprenions, n'est-ce pas, les bonnes manières. Il faut que nous apprenions les bonnes manières. Mais le problème doit être résolu à l'amont. Parce qu'il ne suffit pas de copier ce que nous avons vu ailleurs et de le transposer tout simplement chez nous, alors que nos réalités ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, nous sommes au stade ici. Combien d'urinoirs vous avez? Ça, c'est des problèmes à régler à l'amont. Le fait d'uriner, c'est un besoin physiologique et ça peut prendre à n'importe quel moment. Selon Guiwaku, enseignant-chercheur dans les universités béninoises, une autre forme de déviance se faisait jour que viendra freiner la loi. D'ailleurs, vous allez constater qu'il y a des gens qui ont déjà idée, qui ont ramené pratiquement ça dans leur habitude. Ils ont de belles toilettes, ils ont de bons WC chez eux, mais ils préfèrent toujours sortir pour venir uriner dans la brousse. C'est de l'incivisme. Mais ce n'est rien d'autre que le fait que nous sommes restés au village. Vous savez qu'au village, toutes les parties, toutes les zones, et tous les endroits sont pratiquement avec de la végétation. C'est la brousse un peu partout. Je pense bien à voir l'ampleur que prend ce phénomène. Cette loi est bienvenue. Parce que c'est une remarque. En pleine rue, dans des grands boulevards, vous constatez des grandes personnes sorties, ce qui fait la valeur de l'homme, homme petit H. Il sort, il se met vraiment à uriner devant tout le monde. Ça n'en a pas. Et la ville de Cotonou
n'est plus à ce niveau. Désormais, quiconque est surpris en train de satisfaire un petit besoin, uriner et déféquer aux abords des voies publiques et sur les places publiques est passible de poursuite. Une fois que l'urinoir est à côté et que l'intéressé défèque ou bien urine à côté, on peut le verbaliser. Là, ça peut se comprendre. Mais les infrastructures adéquates qu'il faut à l'amont pour régler le problème ne sont pas disponibles. Et donc, ça veut dire quoi? Les gens vont se faire verbaliser à tort. Les gens vont se faire verbaliser parce que certainement, ils vont uriner comme d'habitude. Ils regardent à droite et à gauche et puis ils trouvent personne là. Ils urinent et ils s'en vont. Une mesure prise pour rendre le cadre de vie propre et sain, donc contre toute souillure. Pour nombre de personnes interrogées, c'est une disposition qui vient mettre fin aux déviances et comportements d'une autre époque. C'est pour l'assainissement du cadre de vie que la loi est votée et c'est une bonne chose. On ne peut pas parler de bonne santé sans assainir notre cadre de vie, sans assainir notre environnement. L'environnement, c'est vrai, c'est tout ce qui nous entoure. Mais est-ce que vous qui êtes là, vous pouvez aller vous asseoir sur un tas d'ordures pour manger? Même le fou, quand il ramasse les déchets et autres, il quitte d'abord le tas d'ordures et va chercher un abri quelque part un peu propre pour s'asseoir. La loi a pris des dispositions pour que les services nécessaires soient offerts aux populations. L'article 11 du Code précise que les autorités locales installent et entretiennent partout où cela est nécessaire les infrastructures adéquates, notamment les douches, les cabinets d'aisance, les urinoirs et les poubelles. Et voilà donc le constat à Cotonou, un constat désolant, Clément Cotin. Oui, mais le constat est désolant et ça prouve notre état d'incivisme total, nous tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on on jette la pierre aux autres. Nous sommes tous responsables et nous devons prendre nos responsabilités. Mmh. À mon point de vue. Voilà, et en voulant prendre ses responsabilités, les parlementaires ont donc décidé de voter, de doter le pays de cette loi 2002-04 du 16 février 2022 qui porte sur l'hygiène publique. C'est une loi salvatrice pour notre pays. Mais moi, je crois que c'est une très bonne loi pour notre pays, mais il y a des aspects auxquels nous devons faire très attention. Oui. D'abord, la loi doit être. On doit, après la loi, nous aurons le décret d'application. Ça, c'est très, très important. Ça doit être en cours. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand nous parlons d'uriner, il faut que chacun joue sa partition. Dans cette même loi, vous allez dans l'article 7 et aussi, je crois, dans l'article 11, les communes et l'État sont, les deux sont aussi responsabilisés. Moi, je vais vous prendre déjà l'article 7 de cette loi. On dit que les collectivités décentralisées concourent avec l'État à la promotion de l'hygiène publique. À la promotion de l'hygiène publique. Et on va plus loin. Elles initient des actions identiques et mettent en application les dispositions de la présente loi. Les services communaux ou municipaux compétents sont chargés sous l'autorité du maire de l'application des dispositions de la présente loi sans préjudice des dispositions de la loi sur l'administration territoriale. On va à l'article 11. Ouais. Article 11, les autorités locales installent et entretiennent partout où cela est nécessaire, les infrastructures adéquates, notamment les douches, les cabines d'aisance, les urinoirs et les poubelles. Ça veut dire quoi? Au même moment que la loi existe, il est demandé à chacun de jouer sa partition. C'est ça le problème qui est fondamental. Les communes, l'État et nous les citoyens. Bon, à partir de ce moment, moi j'ai confiance en moi, mon État, j'ai confiance en la loi. Mais ce qui est un peu difficile, c'est qu'on a l'impression que les gens disent, sans que les toilettes publiques, les urinoirs et autres ne vont pas exister,
la loi ne va pas exister, non. La seule chose que nous devons dire en tant que citoyens, chacun doit jouer sa partition. Déjà, ce n'est pas aisé ce que nous faisons. Comment vous voulez vous mettre à uriner en pleine rue? Vous allez au stade de l'amitié, là, juste derrière les taxis jaunes. Il y a des caniveaux, là, où on urine. Et juste en face, il y a une bonne dame qui vend des dégâts. Et à partir de 11h, vous voulez prenez votre caméra, vous irez voir. Les gens prennent les dégâts. Au même moment, d'autres sont en train d'uriner là. Ça pue, ça sent. Mais ça ne va pas de notre propre santé. Celui qui urine, ça ne va pas de sa propre santé. Celui qui boit les dégâts, ça ne va pas de sa propre santé. Celui qui vend aussi. Comment voulez-vous quoi? Je donne un autre exemple. Oui, allez-y. C'est impossible. Bon, quand vous prenez l'article 44 et 45 de la loi en question. De la loi en question. C'est-à-dire, je vais sur des articles pour que nous puissions apprendre à nous responsabiliser. C'est dans les écoles, la nourriture des enfants. On vous dit, la vente des denrées alimentaires aux abords et dans l'enceinte des établissements des différents ordres d'enseignement s'effectue dans les conditions hygiéniques. Bon, les personnes qui s'adonnent à ces activités sont soumises au préalable et par semestre à une visite et des analyses médicales. Le contrôle de la protection des denrées alimentaires aux abords et dans l'enceinte des écoles, universités relève de la compétence de la municipalité du ministère en charge de la santé. Regardez les écoles, les bonnes dames qui prépare à manger à nos enfants. Qui s'occupe de leur état de santé? Ces bonnes dames même qui viennent donner à manger à vos enfants. Personne. Comment vous voulez avoir l'hygiène publique? Et c'est là où on demande, la loi demande de leur faire des visites périodiques, au moins deux fois dans l'année, et contrôler. Une fois, moi, je me suis amusé. Aller à Gogbanou, le marché Gogbanou, où on achète des tomates et des emplettes. Et j'ai vu ce que les gens achètent là-bas pour préparer des tomates, des fois pourries. Qui renferment beaucoup de. Qui renferment beaucoup d'infections. Donc, ce que je veux dire par là, quand je prends ces points clés, c'est qu'il va falloir que nous nous responsabilisons. La loi est à point nommé. La loi, pour moi, donne le cadre idéal pour un cadre de vie idoine pour notre pays. Mais quant à chacun de jouer sa partition, on parle des écoles par exemple, les responsables des écoles sont interpellés. Vous allez dans l'article 45, on dit les chefs d'établissement veillent au respect des règles élémentaires d'hygiène dans les écoles et les universités. Juste à un passé récent, vous n'ouvrez pas beaucoup de responsables d'université, d'école. Ce n'est pas possible. Et je donne un dernier exemple pour vous permettre mieux de voir ce dont nous parlons. Ouais. Les déchets menstruels des femmes. Aujourd'hui, la loi réglemente ça. Nos soeurs, nos mamans, nos femmes. Au préalable, ça ne se faisait et ça, vous allez dans l'article 123 de la loi et 124. Et vous allez voir, c'est-à-dire que quelque part, il va falloir, selon moi, que nous nous mettons dans la tête que nous sommes les seuls à préserver notre cadre de vie. Ça, il n'y a rien à faire. Personne ne viendra le faire à notre place. On vous dit, les structures publiques, privées, notamment les établissements scolaires, les centres de santé, les marchés, les gares routières et les autres établissements humains ont le devoir de mettre en place une filière de gestion des déchets menstruels. C'est quand même très indisposant que nos femmes, nos sœurs, nos mamans soient menstruées, elles finissent, elles le jettent dans la poubelle d'à côté. Alors que sous dossier, les déchets menstruels sont tellement, tels que ça se fait, les gens sont arrivés à l'étape de culottes menstruelles aujourd'hui.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être qu'on conseille à nos femmes, à nos soeurs et autres de retourner au pagne comme le faisait les grand-mères. Nos grand-mères. Et parce qu'en Europe aujourd'hui, c'est des culottes menstruelles, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, où ça va se laver, où ça, ça fera une durée de 3 ans, ou on ne sait pas, et juste pour éviter ces déchets-là, parce que leur traitement devient quand même... Hein, dans les établissements, comment ça se gère? La loi a prévu tout ça. Donc, c'est vous dire en réalité, la loi, pour moi, elle est très indiquée. Mais avant qu'on nous dise qu'elle est très indiquée, chacun doit jouer sa partition. Alors, Christian, on note après, si on consulte le contenu de la loi et les explications du docteur Clément Cotan, n'est-ce pas, que vraiment la loi est bienvenue. Mais quand on a fini de voir ce que la loi indique, les différents acteurs qui sont interpellés, les communautés, les collectivités locales, l'État central, les individus eux-mêmes, il y a qu'il faut qu'au niveau de l'État central, on puisse accélérer les choses. Le degré de patriotisme des populations béninoises n'a pas encore atteint le fait que quand il n'existe pas de toilettes publiques, qu'il faut vraiment s'abstenir et prendre les dispositions au préalable. Il est très facile pour les images plus ou moins sales que nous avons vues, hein, que Assion Bon nous a projetées tout à l'heure. Il est très facile aux populations qui urinent, hein, on a bien vu les images, leur est très facile, n'est-ce pas, de dire que c'est parce qu'ils manquent de toilettes publiques qu'ils sont obligés de se débarrasser. Parce que vous ne quittez pas la maison, n'est-ce pas, avec votre douche, avec votre WC pour vous mettre en circulation parce que vous allez au boulot, vous allez pour vos activités. Mais quand vous prenez par exemple le stade de l'amitié que décrivait ou que déplorait tout à l'heure Monsieur Cotan, n'est-ce pas, il y a que oui, à cet endroit, il y a un véritable problème. Malgré les efforts faits par le professeur Placide Clédio qui a fait installer par endroit des toilettes, n'est-ce pas, il y a que le Béninois n'est pas très intéressé par ce détail. Maintenant, quand vous quittez là-bas pour venir juste au niveau de canal, à quel niveau trouvez-vous de toilettes publiques au bord de la voie? Et vous savez, les réalités aujourd'hui sont tellement compliquées que quand un visiteur inconnu vous rend visite et donc souhaite utiliser vos toilettes, on commence par craindre. On se dit, mais quand même, quelles sont les infections, les maladies qu'il veut nous amener, quel gris-gris il veut me laisser sous la douche ou dans mon WC et autres. Donc, on n'est pas vraiment ouvert à ce niveau. Il va falloir, n'est-ce pas, pour faciliter la tâche aux populations et pour que cette loi soit vraiment prise au sérieux, que l'État central, avec ce qu'on attend des collectivités locales, que les toilettes publiques soient vraiment installées. L'absence des toilettes publiques mettra à rude épreuve cette loi, même si on arrivait à signer son décret d'application. C'est vrai que notre invité est allé largement sur cette loi votée... En février 2022. En février 2022, oui, c'est vrai. Mais le constat aujourd'hui dans la ville de Cotonou, c'est qu'il y a absence de toilettes publiques. Et le sujet, d'ailleurs, le reportage porte sur cette absence, cette inexistence de toilettes publiques qui devrait quand même permettre aux citoyens de se conformer à ce que dit la loi, ne pas satisfaire ce petit besoin-là sur les places publiques, sur les voies publiques également. Et il faut qu'on en arrive à fournir ces toilettes-là, même si c'est mobile. Et l'autre danger, si c'est des toilettes mobiles, rappelons-nous les cabines téléphoniques que l'État s'était vertu à installer entre-temps les cabines de couleur verte. Lorsque des citoyens créent aussi leur cabine, leur stratégie, c'est de faire détruire ces cabines-là. Donc, il va falloir aller, ou du moins se penser aller au-delà des cabines mobiles, installer des cabines fixes en matériaux définitifs pour que ça ne soit pas détruit. À Cotonou, ça n'existe pas. Et la loi dit bien
que les collectivités locales, sont chargées de fournir ces infrastructures, de les mettre à disposition de la population. Vous savez, l'élaboration des textes chez nous, nous sommes très ingénieux. Hein, et les parlementaires sont également très productifs. Clément Cotton, une loi, vous êtes allé sur des dispositions très très importantes prises. Alors, l'État est interpellé, les collectivités locales sont interpellées, les citoyens qui attendent que tout soit réalisé à leur profit également restent en attente, mais en attendant, continuent de polluer l'environnement. Que pensez-vous qu'il faudra faire dans l'urgence, dans l'immédiat? Moi, je crois que, tout en restant dans vos logiques, oui. Je dis tout simplement que le citoyen peut faire l'effort de se discipliner. C'est ça. Parce que je vous ai donné l'exemple du stade de l'amitié où on vend de guerre ou comment vous l'appelez, oui, tout où d'autres oui, sont oui, en train oui. d'uriner là. Au bout du rouleau, qui tombe malade? C'est le citoyen. Oui. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Effectivement, nous avions besoin des toilettes publiques. C'est clair, c'est net. Mm. Et l'État aussi a pris des dispositions pour prendre l'engagement là. Mais le citoyen même n'a qu'à se discipliner. C'est ça. Regardez les caniveaux qu'on vous a présentés là. Mais qui les a rendus dans cet état? C'est toujours le citoyen. Donc, je crois que en termes vraiment plus faciles à se comprendre, disciplinons-nous. Mettons-nous dans la conscience où ce cadre de vie, c'est notre cadre de vie. Ce n'est pas le cadre de vie des autres. Vous n'allez pas dire que c'est le cadre de vie de l'État. Non, c'est notre cadre de vie. Donc, pour moi, comme vous l'aviez commencé, il faut qu'on fasse un travail de sensibilisation accrue dans toutes les langues, pas seulement en français, comme nous l'avons l'habitude de le faire, dans nos langues aussi, expliquant à nos populations, expliquant à nos frères et sœurs, nos enfants, nos parents. Et dès que nous allons nous responsabiliser, nous aussi, nous allons voir qu'il est aisé de respecter son propre cadre de vie. Quand on tombe malade, quand on mange par exemple dans les écoles, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand les enfants tombent malades, on le souhaite à vos enfants tombent malades, c'est vous qui les amenez dans les hôpitaux ou dans les centres de santé. Effectivement. Et c'est vous qui dépensez, c'est vous qui cassez. Donc, pour éviter tout ça, faisons l'effort de se discipliner. Tout simplement. La discipline. Et à l'unité de protection de l'environnement, que faites-vous? Mais nous, tout ce qui porte atteinte à notre environnement, on est là. On vous a toujours dit depuis des lustres de ne plus toucher à nos forêts. Vous savez, la dernière COP, c'était une satisfaction totale pour nous. Vous savez pourquoi? Oui, dites-nous. Plus de 100 pays, plus de 100 dirigeants mondiaux ont pris l'engagement d'arrêter la déforestation. C'est ça. À la COP, je vous dis, d'arrêter la déforestation et de renverser la tendance d'ici 2030. Ce que nous, on est en train de dire depuis près de 10 ans ici, arrêtons la déforestation, arrêtons l'utilisation du charbon de bois, arrêtons l'utilisation du bois de feu. C'est pour vous dire, si nous ne faisons rien pour notre environnement, comme je viens de le dire, nous allons en pâtir nous-mêmes. Et il n'y a nulle part, puisque c'est sur la terre que l'environnement se gère. Et il n'y a nulle part où nous allons nous cacher contre les effets pervers. Ça finira par nous rattraper. Il n'y a rien à faire. Merci. Clément Cotton, merci beaucoup. Directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous rappeler les dispositions de cette loi votée par Il y a 186 articles. Des dispositions qui concernent surtout le citoyen dans son comportement vis-à-vis de son cadre de vie. Voilà. Surtout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Wahab Ali Para. Très bonne journée. Allez, on va faire le point de l'actualité avec la réalisation ce matin. Narcisse Alassé a lu pour nous les journaux. Mesdames et messieurs, voici pour vous la revue de presse.
Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, le haut commandement de l'armée et de la police républicaine compte désormais 4 nouveaux généraux. Et les journaux nous informent que ces derniers ont été promus à l'issue du Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi 30 mars 2022. Conseil des ministres, le gouvernement promeut 4 généraux de l'armée et de la police républicaine, titre l'autre quotidien à sa 2-2-1. Mais qui sont les nouveaux généraux nommés, s'interroge le quotidien La Nation. Et dans ses colonnes, le journal révèle l'identité de ces nouveaux hauts gradés. Il s'agit, à en croire le quotidien du service public, du contrôleur général de la police, Soumaïla Yaya, promu au grade d'inspecteur général de la police de deuxième classe, des colonels Frutu Baguidi, Abou Issa et Bertin Bada, promus au grade de généraux de brigade. Le quotidien matinal lui placarde à sa une les portraits des 4 nouveaux généraux et dresse dans ses colonnes leur profil. Conseil des ministres, profil des 4 généraux promus, écrit en gros titre mon confrère, qui rappelle que ce sont les premiers généraux promus sous le régime de Patrice Talon. Le quotidien Fraternité lui s'intéresse à la nomination des cadres administratifs et techniques au sein des mairies. Le journal nous apprend que le tirage au sort des secrétaires exécutifs pour les 77 communes a lieu ce jour à Cotonou. Et pour les SIS, l'expertise de la Loterie nationale du Bénin est sollicitée. Selon Fraternité, il s'agira pour la LNB de mettre à la disposition de l'équipe chargée de cet exercice de tirage au sort les matériels appropriés ainsi que le personnel qualifié pour l'opération. Et ceci pour garantir l'impartialité dans le déroulement de l'événement. Un événement auquel les maires de 77 communes du pays sont conviés, ajoute le Canard de Ménantin. Le même journal revient sur la flambée des prix des produits de grande consommation et fait observer que pour le prix d'achat du ciment en fonction des départements, l'équité est mise à mal et du coup, les pauvres sont pénalisés. Au regard de la disparité du prix d'une région à une autre, le quotidien Fraternité dit ne pas comprendre pourquoi cette disparité est justifiée par le coût du transport. Dès lors qu'il y a des exemples comme le prix de la bière qui ne varie presque pas d'une région à une autre, malgré les mêmes transports onéreux mis en avant, commente le journal, il est clair qu'avec un peu plus de volonté politique, il n'est pas impossible d'aller à une harmonisation du prix d'achat du ciment sur l'ensemble du territoire national. Pas d'injustice, car dans une nation, les contribuables sont égaux, rappelle Fraternité. Et pour l'application des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la flambée des prix des produits de grande consommation sur le marché, le quotidien matinal rapporte les propos du secrétaire général adjoint et porte-parole de l'exécutif. Pour le respect des prix après les mesures gouvernementales, la responsabilité est collective, a déclaré Wilfried Léon Mbedi dans les colonnes du journal. Déjà, le numéro vert annoncé pour dénoncer les fraudes et spéculations est connu. Et c'est le 113, précise le matinal. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Et voilà, c'est pratiquement la fin de ce numéro d'Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du jeudi. Demain, c'est vendredi, ça sera beaucoup plus relax en plateau avec le sujet fait de société où vous aurez les débatteurs. Notre artiste invité demain, ce sera Folo Gozo qui sera avec nous et qui nous parlera donc de sa carrière artistique. Et puis, vous aurez tous les rendez-vous du vendredi sur Actu Matin. L'info se poursuit sur Canal 3 Bénin et sur nos différents canaux digitaux. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.